Salut tout le monde, on se retrouve pour un nouvel épisode de 5 minutes d'écho. Donc aujourd'hui on va s'attaquer à une nouvelle astuce d'écho, donc qui sera une tête de witch. Et donc comme vous pouvez le voir, je suis sur un serveur. Je suis sur Very Bad Craft, donc l'IP sera dans la description de la vidéo. Donc je vais vous montrer tout de suite comment faire cette tête de witch. Donc voilà, on va s'attaquer tout de suite à la préparation de cette witch. Mais tout d'abord, je voulais vous montrer à quoi va ressembler donc cette tête de witch. Donc voilà, avec son sourcil, les deux yeux. Bon, personnellement, je prends des blocs d'iron parce qu'ils sont juste parfaits donc, pour les yeux de la witch. J'ai mis un bouton en pierre pour faire la pustule hein, donc, de la witch. Et là donc le petit chapeau de sorcière. Donc on va s'attaquer tout d'abord au visage. Donc le visage qui fait 8 de largeur. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va le monter de 7 blocs. Comme cela. Après on fait le tour. Hop. Donc après on va s'attaquer à la bouche. Donc pour la bouche, il faut d'abord mettre un bloc de plus dans les coins et ensuite remplir le fond de blocs d'argile noire. Donc on va mettre encore une couche d'argile claire blanche plutôt. Donc sur le dessus. Donc au moins vous allez voir qu'on fait vraiment la bouche de la witch. Donc après on va s'attaquer à l'œil. Donc à l'œil ça dépend, vous pouvez prendre par exemple un bloc d'argile cuite aussi, c'est pas mal. Personnellement je prends de la laine, mais c'est pas mal aussi. Donc on va le faire avec ça pour la vidéo. Hop, et on va fermer ici et on va s'attaquer au nez. Donc le nez, très simple à faire, on met un bloc deux blocs d'argile gris clair, moi je n'arrive plus à parler, c'est abusé. Voilà, donc ça fait le nez, et on va mettre le bouton, donc pour faire la pustule. Ah, je n'arrive plus à parler, c'est n'importe quoi, voilà, bien sûr. Donc on va fermer, bien sûr, derrière. Et après, on remet une ligne par-dessus pour fermer les yeux, et on met l'argile noire, donc pour faire le sourcil, comme vous pouvez le voir. Après, comme là par exemple, vous pouvez prendre ou cette argile marron ou la noire. Les deux vont très bien. Mais personnellement, je préfère la marron. Là, je me suis trompé. Donc la marron, voilà. Et là, on va fermer. Et donc là, pour l'instant, vous avez une tête de villageois, rien de plus. Et donc, voilà, on va s'attaquer au chapeau. Donc le chapeau, on met toute une ligne de laine noire. Et ensuite, donc, on va mettre un bloc comme cela, on va monter de 2, hop, pareil comme là, on va monter de 2, on va fermer, et on va faire une espèce de pointe comme ça, et là je vais juste prendre, voilà, comme ça, et on a le chapeau de la witch, donc, oula, juste, voilà, comme ça, ouais, non, je fais n'importe quoi, abusé, voilà. Donc là on a le chapeau de la witch, donc qui est super sympa à faire par exemple dans votre ville ou quoi. Moi je vais vous montrer juste après où j'ai pu mettre cette tête de witch. J'ai mis dans une de mes villes sur un serveur, donc le serveur que je vous ai montré au début de la vidéo. Donc super sympa hein, franchement j'aime beaucoup cette astuce d'écho. Donc on se retrouve directement sur le serveur pour que je vous montre où j'ai mis cette tête de witch. Allez, à tout à l'heure. Donc voilà, on se retrouve sur le serveur donc Very Bad Craft, où j'ai fait cette tête de witch que vous pouvez voir derrière moi. Donc j'ai fait une table d'enchant donc qui est derrière. Donc pour aller à cette table d'enchant, vu que les witch sont un peu sorcières, magie, etc. J'ai fait un espèce de... J'ai refait le même biome que dans les biomes marais, là où vivent les witch, donc avec les arbres des marais, etc. Avec les nénuphars, les orchidées qui poussent que dans les marais, et donc la petite maison sur pilotis de la witch. Donc là, donc vous pouvez voir que j'ai mis ma witch ici, donc qui rend vraiment super sympa. Et en plus, le chapeau vous donne la direction de la table d'enchant. Donc si on avance là, on a la table d'enchant ici, donc
qui rend super sympa, hein, avec ses, toujours les toiles d'araignée pour faire référence à la magie avec la witch. C'est, moi j'aime beaucoup, j'ai extrêmement cherché pour faire cette tête de witch, parce que je n'avais pas d'idée spéciale pour faire donc cette table d'enchant. Et ça rend super bien, comme vous pouvez le voir. En plus, il y a les lianes qui s'accrochent à ses sourcils. Ça rend super bien. En plus, ça fait un peu délabré. C'est super bien. Voilà. Donc là, par exemple, si vous la mettez au mur, vous pouvez mettre le bouton. Donc nous, quand on l'avait mis, il s'est cassé. Ah, il est là. Il s'était mis de l'autre côté, en horizontal, et là, il se met en vertical, donc si on met le bouton en haut. Donc, ce qui fait vraiment super bien, qui fait en direction avec le nez et tout. Donc c'est super, super cool. Donc j'espère que vous avez aimé cet épisode déco, qui est un peu fantasy magie, voilà. Et on se retrouve pour un prochain épisode déco. Allez, bye bye.